Il fait très très noir au château Frontenac quand le groupe de Vancouver arrive. Il est minuit et il sent en retard à cause d'une tempête de neige. Les neiges tombent partout et la ville de Québec est tranquille. Les vents sifflent dans les arbres. Dans le groupe, il y a deux élèves. Les professeurs, Madame Delaporte et la guide, Philippe Dufour, c'est une visite scolaire. Sophie a hâte de rester au château parce que son arrière-temps était femme de chambre à l'hôtel. Elle ne sait pas qu'il y a un mystère au château, un mystère effrayant. Paul, Quel, regardez, le château est très élégant. Nous sommes à Finemal ici. Oui, c'est élégant, mais aussi un peu sinistère. Chouette, c'est comme un vieux château hanté. Madame Delpoye a des fantômes ici. Chouette, j'adore des fantômes. Non, Paul, il n'y a pas de fantômes. Mais il y a souvent de personnages célèbres qui restent ici. Le premier ministre est resté ici et la princesse Grace de Monaco passe son lune de miel ici. Tout à coup, une lumière d'une chambre au deuxième étage s'allumait et Sophie voit apparaître les visages d'un jeune homme. Il sourit et Sophie et lui fait signe d'entrer. Paul, regardez, il y a un garçon et un copain, mais moi, un signe. Oh, je ne vois personne. Je ne vois personne non plus. Quand Sophie tournait pour regarder encore, il n'est plus là. C'est bizarre. Et ce moment, les guides et les chasseurs arrivent. Les chasseurs mettent les valises sur un chariot. Bonjour, mes amis de Vancouver. Je suis votre guide. Je m'appelle Philippe Dufour. Classe pour la chambre, suivez-moi. On va entrer dans le foyer. Tout le monde doit rester dans la chambre après le couvre-feu. Le couvre-feu est 21h30. Puis, bonne nuit, les enfants. Les chasseurs passent par le groupe et Sophie voit son visage. Quoi? Regarde la chanson. C'est le garçon qui je veux à peinture. Il est très beau, mais pour toi. Bonjour, monsieur. Bonjour, la fille. Va, Jean, despe-toi avec la valise.